Un point final, une page qui se tourne. Pour Antoine Derrier, c'est une nouvelle vie qui va pouvoir commencer. En témoignant hier jeudi, certes non sans mal, au procès du meurtrier de sa mère et de celui qui a tenté de l'assassiner, le garçon a permis de faire la lumière sur les circonstances du drame. Pour un gamin de 10 ans, venir dans la fosse au lion, c'est pas toujours évident. Pour plus tard, il se rendra compte que c'était important qu'il soit là, pour lui et pour sa mère. Pour que ce procès soit un procès normal, il fallait qu'Antoine soit entendu. Pour qu'Antoine rebondisse demain dans une nouvelle vie, il fallait qu'il ait été un acteur du procès de l'assassin de sa mère et de celui qui a tenté de l'assassiner. C'était nécessaire. Un témoignage qui aura permis de prouver la préméditation, un soulagement pour la famille. Mais si Cédric Ornec aujourd'hui s'est excusé, son attitude durant les 3 jours laisse la famille dans l'amertume. Ce procès pour nous est une déception. Une déception parce que nous attendions la vérité, nous attendions qu'il permette à Antoine d'avoir un petit peu plus confiance dans les adultes. Il a trahi Antoine à l'occasion de ce procès, il l'a trahi une deuxième fois. Il l'a trahi une deuxième fois en disant qu'il avait menti. Et ça, c'est une chose que nous ne lui pardonnerons pas. Des regrets pour la famille qui va pouvoir tourner cette lourde page, sauf à ce que Cédric Ornec fasse appel de son jugement.